Salut mes amis, c'est Arsonix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur APB Reload, un petit jeu un petit peu à la style GTA Online. C'est bien stylé et aujourd'hui je suis pas tout seul pour faire des vidéos sur ce jeu. Je suis avec mon ami Citral, bonjour à toi. Salut et salut les amis d'Arsonix. Donc c'est parti, écoute, je te propose de créer notre personnage dès aujourd'hui. Donc nous on va partir criminel. Hein. Donc... non, c'est quoi story vidéo? Ah non, ok, d'accord, faut faire suivant. Attends, ça fait longtemps que j'ai pas créé un perso. Oui, j'ai eu le même problème, j'ai même fait retour là du coup. Hein. Donc je vais vous montrer vite fait un petit peu comment se passe la création de personnage. Mais comme je me connais et puis je connais aussi Citral et on va en avoir pour une heure pour faire un perso. Donc je vous ferai une petite coupure et on se reprendra une fois que le personnage sera créé. Donc bah voilà, alors attends, ça a changé ou quoi? Ou non, c'est peut-être plus tard qu'on peut faire toutes les modifs là? Quelle modif tu parles? Je sais pas. Pour les cheveux et ouais, tout? Ouais, les cheveux, les trucs, la taille c'est, de... Tu regardes, t'as une petite main normalement, enfin selon les effets que tu veux changer, ah, quand tu peux changer certaines choses. C'est ouais voilà, en et t'as mode une main aussi. Bah écoute, 20-30 ans, je vais faire un homme tiens. Donc nous on a déjà le jeu les amis. Faut savoir que voilà, on y a beaucoup joué et du coup là on a décidé de recréer un perso, de repartir de zéro avec un nouveau compte pour vous montrer un petit peu ce jeu, ce qui se passe au début, etc. Si quelquefois vous ne connaissez pas. Donc voilà. Alors par contre, j'ai beau changer la teinte, ça ne change pas la teinte de mon perso. T'as le même problème? Attends, je vais te dire ça. Ah, j'ai même beau cliquer sur gros, le mec s'en fout quoi. Alors, donc ouais pour le, c'est ce que je t'ai dit, t'as une petite main, du coup par exemple si c'était sur le corps pour la corpulence là, pour le poids. Oui mais t'as c'est parce une que main j'étais par pas des... en mode rapide en fait, en mode avancé pardon, d'accord. Fardeau. C'est pour ça que ça marchait pas. Corps, comment on fait pour choisir la couleur du corps? Couleur de, ah merde, couleur des cheveux, couleur des yeux, taille des yeux, corps, poids, taille, machin. Sexe, bah homme. Oh merde mec, je peux pas changer la couleur de mon perso, j'ai l'impression. Merde non, j'ai fait annuler, quel con. Dans couleur de peau, t'arrives pas? C'est où couleur de peau mec? Donc t'es dans... Avancé, ouais, premier truc avancé. Personnage, c'est dans peau, et en dessous, ta teinte, couleur de peau, marque de vieillesse, rides, veines, taches de Ouais. rousseur. Ouais. Et ben, tu vas sur couleur de peau, et c'est là que Ah t'as la petite main oui! qui apparaît. La main, Et tu peux la d'accord. déplacer de gauche à droite De et de gauche à bas en haut. droite. Et ça change un peu. De bas en haut aussi, un peu? Normalement. Après, ça dépend, peut-être pas pour la couleur de peau, mais si aussi. Oui, Hein. pour les autres trucs, ouais. Ok. Ouais, donc bah, on va faire un. Un blanc normal, quoi. Ok, merci. Donc du coup, enfin bref, voilà. Je ne vous oublie pas, mes petits viewers. Hein, on peut donc modifier la coupe de cheveux, etc. Donc on a 30 styles de coiffure disponibles. En fait, selon les coiffures qu'on va prendre, on va pouvoir modifier, par exemple, là, la longueur de la frange sur cette coiffure, ce genre de truc. Enfin, il y a beaucoup de modifs possibles. Vous voyez, hein, les pattes sur le côté. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant, ce qui fait que vous allez jamais croiser le même personnage que vous, quoi. Sauf si vous manquez d'originalité, bien sûr. Voilà. Bah écoutez, du coup, moi je vous reprends juste après la création du perso, quand on sera dans le jeu. A tout à l'heure, mes amis. Et re, mes petits amis, donc ça y est, nous avons créé nos personnages. Donc voilà Citral. Et voilà moi. Ouais, salut. Voilà, les beaux gosses du quartier. Toi-même, tu sais. Bon. Ok, donc du coup bah c'est parti, on va se faire genre une mission ou je ne sais pas. Du coup faut qu'on se link avec elle, c'est ça? Soit ça se fait auto si, enfin ça se fait automatiquement à partir du moment où la mission elle se lance. Ouais. Ou sinon ouais tu peux passer par J progression et prêter serment s'il y en a une que tu veux particulièrement. D'accord. Et toi tu conseillerais quoi toi alors? Bah après ça dépend des armes que tu veux débloquer, de... En fait t'as deux familles, et puis selon les familles tu vas débloquer certains types d'armes, soit CAC, soit... Ah ouais,
soit des snipes ou... D'accord. Et enfin, à la fin, t'as même un bazooka et un lance-grenade selon la famille que tu choisis. Donc ça, faut choisir dès le début. Ouais. Le bazooka, c'est bien, non? Bazooka, c'est bien. C'était mieux avant. Là, c'est devenu un peu moins bien. D'accord. Et c'est vrai qu'il faut le charger maintenant pour le tirer, etc. Voilà, ouais. C'est vrai que tu gardes la cible, ouais, 2-3 secondes devant toi pour pouvoir tirer. D'accord. Bon, bah ok. Bah écoute, je sais pas quelle organisation on va pouvoir prendre. À la rigueur, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est prendre tous les deux une organisation différente. Ouais, bah moi je vais partir alors sur... Attends, je vais te dire ça. Donc les familles, c'est les Jekings, c'est les Blood Rose, hein, les amis. C'est les deux là que je vous montre. Et donc en fait, dans chaque famille, il y a des PNJ qu'on fait progresser, là, 0 sur 750, en faisant des missions, etc. Ce qui fait que du coup, voilà, on va pouvoir après, en parlant à ces personnages, comme celle-là par exemple, on va pouvoir lui acheter des items, etc. Donc plus on est au level dans les persos, et plus on peut acheter des items de malade, bien sûr. Et vous verrez ça un peu plus tard. Bah moi je pars sur les Blood Rose. Comme par hasard. Non, je vais prendre les G-Kicks du coup. On est dans quel quartier là? C'est Waterfront ou Financial? Là on est financial. Ok. Écoute, je me link avec cette petite morue de Véronica Lee. Et c'est parti. Très bien. Alors attends juste. Oh, je suis bien caché là. Regarde, je suis tout noir. Est-ce que tu me vois tout noir toi aussi? Alors attends, je suis juste dans le menu, je regarde où c'est qu'on débloque l'arme. Ouais, d'accord. Est-ce que oui, je te vois tout noir aussi, effectivement. Excellent. Hey! Tu m'as fait trop mal, quoi. Salaud. Salaud. Bah du coup, ouais, c'est parti. On va aller chercher notre voiture qui est totalement dégueulasse. Oui, notre voiture est particulièrement moche. Oui, tout à fait. Ah, ce petit faudrait aller au Waterfront, en fait, pour moi, si ça va. Si ça te dérange pas, je sais pas si toi ça te dérange. Bah moi j'en ai rien à branler. Pourquoi t'as pas de... Y en a pas ici? Bah l'arme que je veux, ouais, elle se débloque assez vite, mais c'est au Water par contre. C'est au mais Water. Mais après, ça serait un truc à débloquer. Attends, ici, je regarde ce que ici. La Véronica me débloque. Un sniper, un fusil à peupon, un revolver. N-Tech. Ah, il y a la N-Tech dedans qui est plutôt pas mal. Allez, fais voir Terry Quinn. Ah merde, bah je peux pas voir du coup. Vu qu'on est pas dans le Waterfront. Bah écoute, viens, on va au Waterfront. Je te laisse nous switcher de quartier. Okay. En plus, ils sont pas allés partout comme on est des noobs. Mais oui, c'est ça qui est bien. Parce qu'il y a un petit système aussi de rang selon votre taux de frag, ce que vous allez faire dans les missions. Et vous allez avoir un petit badge à côté de votre pseudo avec soit vous serez à un vert, soit vous êtes niveau bronze, argent ou niveau or. Or, après, voilà, c'est ça. Si on joue un petit peu, le niveau or est vraiment facile à avoir. Ouais, bah à mon avis, on va monter vite, je pense, à moins que. Qu'on soit nul, mais je sais que t'es meilleur que moi à ce jeu-là, donc c'est pour ça que je te laisse les explications. Ouais, meilleur, je sais pas, j'ai joué un petit peu. Oui. T'as joué plus, voilà, que moi. Faut savoir que, ouais, je dois avoir un personnage qui rend. Je sais pas, quel rang il est, 190, quelque chose comme ça. Le mien Oui, je crois que t'avais bien avancé la dernière fois qu'on avait joué. Ouais, c'est ça, et toi tu dois être quasiment level max là, tu m'as dit hier. Ouais, je suis à 2-3 levels de la fin, mais je pourrais même plus te dire en niveau combien c'est. Ouais. Donc, ouais, il est quand même beaucoup plus avancé que moi, donc. Après, j'ai laissé ce jeu très très longtemps sans y jouer. Parce que nous, avant, ce jeu maintenant là il est gratuit. Ah bah tiens, oui, d'ailleurs, on a même pas parlé de ce jeu, mais. Les vieux salauds, tu sais. Ce jeu est gratuit, hein, c'est un free-to-play proposé par GamerFist. Et du coup, on spawn où? Britney, ok. En plein milieu. Et du coup, avant qu'il soit gratuit, il était payant ce jeu. T'avais un abonnement et tout ça, donc nous on avait payé le jeu avec mon ami Citral, etc. On avait tout fait, quoi. Ah tiens. Qui a été revendu. Oui. Tout à fait. Enfin, même pas été rendu tout de suite, il a été fermé un mois après. Je crois qu'il a duré un mois ou deux mois, deux mois peut-être. Deux, trois mois il a duré, et après ouais, les serveurs ont fermé, et ça a été racheté par... Ah bah attends, bah, je vais monter dans ta voiture vu qu'on a la même. Ok. Hop.
Elle était surtout ultra buggée au début. On oui. pouvait même monter une pente comme ça, tu pouvais pas. Il y avait des glitches de partout, des usbugs de partout. Horrible. C'était horrible. Puis c'était rempli de cheaters aussi. Ouais, là c'est vrai que ce jeu, il y en a encore un petit peu. C'est beaucoup plus rare, mais ouais. Il y a un an en arrière, c'était. C'était la folie. Oh, il y en avait. Oui, voilà. Il y en avait partout. Tout le monde cheatait. C'était n'importe quoi. Mmh. Mais bon, ça fait quand même plaisir de venir jouer sur ce jeu-là. Voilà, il y a deux grandes cartes. Donc le quartier où on était tout à l'heure, et puis ce quartier-là. Et du coup, c'est complètement libre. Je peux, à tout moment, je peux descendre de ma voiture, aller piquer la bagnole du piéton là-bas, si ça me fait envie, quoi. Donc, bah écoute, je te propose de passer près. Ouais. Et tu peux leur montrer aussi peut-être pour comment reculer la caméra à pied et en voiture, si jamais ils essayent. En voiture, je sais pas comment on fait. C'est pareil, c'est la touche 0. Bah moi ça ne marche pas. Mais peut-être parce que je conduis pas. C'est parce que tu conduis pas, oui. Voilà. Donc en fait la touche 0, si vous connaissez pas le jeu, de toute façon ce qu'on va faire, je pense, Citral, tu me donnes ton avis, mais on va voir. Et puis si les gens nous demandent des informations sur le jeu, peut-être qu'on fera une vidéo un petit peu tuto sur le jeu. Oui, ouais, ce sera si ça vous intéresse, facile, ça sera peut-être plus simple parce qu'il y a quand même énormément de choses à, c'est entre vrai, guillemets, savoir. Ah si, tiens, je peux enlever mon nom tout pourri là, mon pseudo. Scrub. Voilà. Donc voilà, alors là on est parti sur quoi? C'est pas PVP, si? Non. Non, c'est pas PVP. Donc faut savoir, voilà, que ce jeu là, on fait des missions et t'as des missions entre guillemets PVP et d'autres non. Et à tout moment là, ceux qui sont dans la faction des policiers peuvent venir et puis rentrer dans notre mission entre guillemets et. Voilà, foutre la merde. Et tu vas là-bas. Nous shooter. Ouais, je vais aller faire l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut qu'on explose les bagnoles, c'est ça? Faut armer les bombes, ouais. Je te arme la tienne, et puis la mienne, je vais pas la finir. On va attendre que ça proc pour qu'on ait du PVP. Ouais, ça marche. Parce qu'il faut savoir que s'il n'y a pas de PVP, on n'a pas d'XP à la fin. Avant, il y en avait, mais maintenant, ouais. C'est vraiment dérisoire. On peut plus. On en gagne, mais une toute petite partie. Vous voyez là, j'ai bombe plantée et plus 0. J'ai gagné 0 points pour avoir planté la bombe et 10$, donc ça va pas chier très loin. Okay, ah, est-ce qu'il y a du monde? Ah oui, non, mais on est sur un quartier vide vu qu'on vient d'arriver. Ah merde, alors attends. Ah ouais, oui, il y a un flic. Mais c'est parce qu'on est à un niveau. Oh là là, on va galérer. Hein. Ah bon? Ah non, c'est vrai, on peut y aller, on peut choisir. Attends, je vais nous switcher dans un. Ouais. On a un quartier avec du monde parce que là oui ça sert à rien. Bah nous fout pas dans un quartier gold hein. Enfin un truc. Non, je vais nous mettre de. Bah de toute façon on a pas d'armes, on a rien du tout, on va aller dans un. Ouais dans un bronze, ça suffira. Ok. C'est parti. Donc oui, sur les serveurs on peut être jusqu'à 50 criminels et 50 policiers en simultané. Donc plus il y a de policiers et de criminels et plus on va avoir des missions PVP. Et là il y avait qu'un policier pour 9 criminels. Pour 9 criminels. C'est impossible d'avoir une mission PVP quoi. Ah je pensais qu'ils étaient assez peuplés les serveurs bas level. Mais pas du tout en fait. Bah maintenant. Oui c'est devenu. Bah les gens jouent soit sur. En fait les gens qui sont niveau argent et bronze jouent sur un quartier bronze. Et les gens qui sont or et argent jouent sur le quartier argent. Il y a même plus de gens qui jouent comme avant sur des. Ah ouais? Sur des quartiers gold. Ouais, le quartier gold sont toujours vides. Il est mort quoi. J'ai okay. Repop chez Britney. Hein. Ouais bah aussi. Pareil. Pareil. Oublie pas de reprêter serment si ouais. T'as besoin de. Bah ouais de Terry Quan. Ah bah tiens du coup je peux regarder ce que je peux débloquer grâce à elle. Ah merde c'est que des bagnoles, y a pas d'armes. Et enfin, ton autre personnage. Ah oui puis l'autre personnage c'est. C'est de l'autre côté, mais bon c'est pas très très grave. Bah de toute façon moi je monte juste niveau 2 et puis si tu veux on re-switch hein. C'est juste. Là on va aller au niveau 2. Ok, c'est quoi c'est l'OBIA? L'OCA. L'OCA plutôt, ouais pardon. Ah, attends, par contre, on va se prendre une autre caisse parce que ouais, la voiture. Ouais, la voiture de départ, elle est bien moche. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ça là? C'est moche ça. Ça, non, allez, c'est pareil. Non, on va se balader un petit peu. Bah, tiens, on va prendre celle-là. Ou tiens, on va prendre un van, tu vas monter derrière.
Ok. Ah bah il veut pas. Ah merde. Attends, je vais essayer quand même. Ah ça y est. Voilà. Yeah. Trop stylé la gueule que j'ai. Oh merde, je crois qu'il y a un... Il y a un méchant derrière nous. Ah, 5 étoiles. Ah, 5 étoiles. On va essayer de le chasser, mais bon, avec nos armes... Je tire dessus avec mon Star 556. C'est là-bas, normalement. Tu crois? Bah, s'il va au fond... Ouais, il va être obligé de tourner, là. Enfin, il va revenir face à nous, on va bien pouvoir lui rentrer. Ah bah oh, tiens, non, il est là. Il va me défoncer. Oh putain, grenade! Donc lui, pour la petite histoire, ouais, sinon, donc c'est un mec qui a fait suffisamment de kills, parce qu'on ne peut pas tirer sur les gens seulement en mission, seulement les gens qui jouent contre nous. Mais lui, il a fait, il a tué tellement de gens, du coup, tout le monde le voit comme un ennemi, et lui, il peut tuer tout le monde aussi. Et si on le tue, voilà, enfin, j'ai gagné beaucoup d'argent. Enfin, ah, beaucoup d'argent, non, mais... T'as gagné, tu l'as tué. Le pauvre. Vas-y, je me mets prêt, j'avais oublié. Ah bah voilà. Donc quand il y a ce petit truc, on est en PVP. Oh merde, on a un vieux logo de T. In training. Oh merde. Et donc ouais, là par exemple, on voit le genre de mec Coco62 si t'appuies sur tab. Donc on est sur un quartier bronze où vraiment c'est les gens sans armes qui arrivent, les débutants, et lui ouais. S'amusait à repasser. Ben, il s'amusait à descendre son rang juste pour rentrer dans le quartier bronze, et il a fait une mission, il est repassé gold, et du coup il... Voilà. Ben, il no-match complètement tout le monde s'il a envie. Ah je bah pense oui. Que pour nous ce sera un peu plus difficile. Mais il va quand même bien nous exploser. Il va nous défoncer, à mon avis, il va nous défoncer. Parce que vous voyez, dans notre équipe, lui, il est l'L17, donc disons qu'il vient de commencer aussi, quasiment. Il y a Wellman, qui est le L72, mais enfin, voilà. Comparé à ceux-là, qui sont level 200 et plus, on a moins de chance, disons, parce qu'ils ont plus d'armes au level que nous, quoi. Enfin, Coco, il a un bazooka, par exemple. Hein. Ok. Oh là, mais mon dieu, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Oh non! Ah bah bravo, mais... Oh! Je t'ai tué! Tu m'as tué, comment t'as fait ça? Je sais pas, je suis sorti de la voiture. Oh merde! Okay. Que j'ai spawn sur ta tête et t'es décédé quoi. T'es où? Attends, je viens te chercher. Je suis dans une voiture aussi. Ah ok. Ah oh, l'équipe, quoi. Le mec il nous renverse, mon pote il me tue. Mais c'est bon, pas on commence faute. Bien. Je te jure, je suis descendu de ta voiture. Ouais, j'ai vu. Bah, je t'ai vu. En fait, j'ai vu une caméra bizarre et après, je me suis vu mourir. Bah, moi aussi, voilà. J'ai spawn sur ta tête en fait, ce qui fait que t'as décédé. Alors, y'en a un qui a un tabac. Il a pris cher. Ouais, j'ai. Yeah, man! Mon first kill en vidéo, quoi. Le mec, il se sent plus, ça y est. Et oh, ça arrive encore. En voiture. Il est précis ce gun? Il est pas mal précis, ça va, ouais, mais il a une petite portée et puis il fait pas grand dégâts. D'accord. Disons au cas que je te conseille de prendre plutôt l'OBA. Ah, j'ai failli là où il a plus beaucoup de vie le gun, tu peux le tuer. Je l'ai eu. Yeah! Par contre, je me suis fait tuer, mais c'est pas notre pote ça? Non, c'est un rouge, il m'a pas vu d'ailleurs. Ouais, non, il t'a pas vu. Le mec il m'a défoncé quoi. C'est tout. Oh putain, je vais spawn loin de l'autre côté du truc. Splutch. Donc si vous connaissez pas le jeu, mes petits viewers, bah, je vous invite à le télécharger vu qu'il est gratuit et à le tester. Je pense pas qu'il faille une grosse machine pour le faire tourner, mais quand même, donc méfiez-vous. Et il est vraiment très sympa. Hein, si... Pour attendre, entre guillemets, le fameux GTA qui va arriver à la fin de l'année normalement. Ah, il y en a un qui était en train de taguer, il s'est pris plein de balles là. Ouais, derrière la caisse jaune, je crois. J'ai le coco sur la tête. Il est dans une bagnole.
Est-ce qu'on a des grenades? Non, pas encore. Non, pas encore à ce level. Dommage. Il est dans la voiture là-bas, il est mort. Enfin, il est parti. Eh ben ça va, on arrive à bien se défendre, je trouve. Bah, de toute façon, hein, le coco, s'il fait ça, c'est qu'il doit pas être très très bon. Sinon, bah, il resterait à jouer sur des quartiers silver. Ouais. Oh là là, je... Oh putain, mais le petit flingue, il a l'air mais complètement vénère comme gun. L'OBA, ouais, je t'ai dit, au cac, hésite surtout pas, hein, tu switch, il marche bien. Tiens, toi, t'es mort, toi. Eh ben, ça va. C'est cool. Ah, cool, il y a une porte qui est fermée. Savoir que les portes elles se referment automatiquement, donc du coup on est obligé d'appuyer sur F, ça fait du bruit, donc si quelqu'un ouvre la porte on va l'entendre en fin de compte. Donc c'est plutôt cool. Oh la vache, il y a de la grenade là. Merde, j'ai tué mon pote. J'ai tué mon pote en essayant de tuer... Je suis le tueur d'équipe, je risque pas d'augmenter de level. Oh merde. Je l'ai vu. Ah, t'es mort ? Ça a pris cher, on dirait. Oui, c'est ça. Chut. Oh, j'ai entendu quelqu'un monter à une échelle. Ouais, là. Allez, comme je t'ai défoncé. Oh, je suis trop fort, mec. Laisse tomber. Oh, ils sont dans le bâtiment qui est de l'autre côté. Je reviens, moi je passe par dehors. Attention au-dessus de toi. Il vient de sauter, il est à côté de toi. Ok, je le balade un peu. Il m'a stabilisé. J'arrive, j'arrive. Yeah, mec. Yeah, mec. GG. Ça, c'est de la belle cover de coéquipier. Je te remercie. De rien. Regardez son cadavre, je le traîne. Regarde son cadavre, là, tiens, meurt. Oh. Il y en a un autre qui s'est fait tirer dessus, j'ai pas vu le doux. Ah, il est là, juste dans le coin, joli. Oh, oh, merde. Il y en a un qui me shoot de très loin. Shadow machin. Oh le salaud. Putain, il a l'air d'avoir une arme de genre de porc quoi. Ah c'est vrai qu'aussi on peut passer après par l'arma vite fait, tu sais, on peut essayer les armes une demi-heure gratuitement. Ah oui, 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 c'est vrai, ouais. Oh, Rider c'est qui? Ah bah voilà, il est passé 5 étoiles, je l'ai tué du coup. Je sais pas qui c'était mais... Ah, j'ai plus de balles. J'ai presque plus de balles. Il y en a un dans le bâtiment. Ouais, j'ai spawn super loin. Aïe, je suis mort. Il m'a eu. Waouh, c'était chaud. Ah ouais, moi aussi, mais comme je spawn loin. Mais c'est bon, on a gagné, ils ont pas réussi. On a gagné. Oh là ouais. Là, on est tellement puissant. Ah ça y est, je suis niveau 2 déjà chez l'autre là. Ah bah même niveau 3. Ah bah putain. Oh, comme ça monte trop vite au début. Ah oui, au début ça monte super vite. Hein. J'ai des nouvelles fringues, des nouveaux trucs. Et donc du coup, voilà, j'ai 2000$, donc je suis riche quoi. N'exagérons rien. Ah bah écoute, pour une première mission, c'était plutôt réussi. Bah oui, tu te sors avec 8 kills, 3 assists, moi 4 kills, 5 assists. Ouais, pas je beaucoup suis premier mort, de la game. L'autre, le coco, il s'est complètement fait défoncer quoi. Ça c'est bon ça. Attends, je crois que j'ai du courrier mec. Il m'a envoyé un truc, je sais pas quoi. J'ai un truc en pièce joint. Ah bah ça doit être lui. Ouais, tu peux l'équiper ça d'ailleurs si t'as déjà la place pour. Bah, faire je sais pareil. Pas en fait. C'est où? C'est dans le. Et on a reçu une nouvelle voiture, super. Bah toi t'as dû recevoir une nouvelle caisse, moi j'en ai pas reçu. Ah si. J'ai si, encore un mail là. Ah non. C'est où? Comment on fait déjà pour voir le... Ah ici, ici. Véhicule modifié. Ah non mais oui, faut l'acheter quoi. Faut l'acheter. Ok. Écoute, je monte avec toi. Ok, bah là, je vais aller chercher mon arme comme je suis level 2. Ouais, ça marche. Enfin, level 3 même. Ouais, ouais. Ouais, tu sais quoi? C'est quoi? C'est level. Oh merde, c'est level 10 là maximum ou level 5 encore cela? Cela maintenant c'est 10. C'est 10? Ouais. On peut monter level 10 cela et puis après on. On se tue oui, en même temps ça fera. Ben, ça nous débloquera un autre contact. Vu voilà, c'est pas perdu puis ça va très vite. Ouais, carrément. Bon, on peut déjà se mettre prêt hein, si tu veux. Et du coup, tu crois que je peux acheter des choses quand même à elle là? Les trucs que j'ai envie de débloquer? Non, c'est pas ici du coup. Si, tu peux acheter. Ah oui, j'ai pas encore assez d'argent par contre. D'accord. Ah, mais ça coûte combien? 500 et 3000.
Ah merde, et puis on peut pas se donner du fric, je crois. Là, je peux pas te laisser, s'envoyer de fric, ouais. Faudrait que je mette une chaussette à l'HV. Ouais, les choses comme ça. Ouais. Ça tu peux trouver des chaussettes super chères à l'HV. Normal. Oui, parce qu'il y a un quartier, pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle le Social District. Où là en fait il y a un HDV et puis on va pouvoir acheter des items, je sais pas, changer la couleur des cheveux de mon perso, acheter des fringues, etc. Acheter beaucoup de choses, modifier les fringues, mais enfin bon, vous verrez ça un modifier petit peu plus tard. Perso, comme au début, ouais. On a toujours accès à la création de perso, c'est-à-dire oui, à voilà. Tout moment vous pouvez le rendre gros, c'est de la chirurgie esthétique, voilà quoi. En gros c'est ça, vous payez genre 500$ et vous pouvez vous foutre une moustache, être gros, petit, ouais, black, enfin tout ce que tu veux quoi. Tout ce qu'il y avait au début de la création de perso. Ouais. Plus des tatouages du coup, maintenant. Et en plus des tatouages. On peut se mettre des tatouages aussi. Donc des tatouages en fait, ce qui est... enfin, on vous montrera parce que on peut... je peux pas tout... de tout parler de tout parce qu'il y a tellement de trucs que c'est abusé. Ouais, sinon on va s'égarer. Hein. Ah bah. T'es ready? Ouais. Tu m'as bien, Brian. Tu veux que je conduise, c'est ça? Comme tu veux, c'est égal. Trop tard. Oui, je te fais repop la voiture. Oui. Alors, fais voir, ils sont 4, on est 2. Tu veux qu'on essaye que 2v4? Bah oui. Et on va rester débutant jusqu'à quel level? Enfin, jusqu'à combien de temps à peu près? Tu sais ça ou pas? Je crois qu'il faut qu'on fasse 5 missions, il me semble. Au bout de 5 missions, ça nous attribue un grade. Mais oui, si on continue comme ça, on va finir gold, quoi. Et du coup, on va être dans la merde après. Ouais, grave. Non, bah faut qu'on fasse. Bon, enfin, moi je vais peut-être pas être gold. Hein. J'ai déjà fait 2 team kills alors. Un nouvel objet a été envoyé par email. Nouveau véhicule disponible dans l'achat. D'accord. Merci, monsieur. Donc voilà, les contacts en fait nous débloquent des trucs. Mais ils sont pas gratuits. Après, il faut les acheter. T'as vu, y a un monsieur qui est passé dans le caniveau. Ah non, j'ai même pas fait gaffe. Oh, bah il vient juste de passer. Ouais, c'était lui. Je vais faire l'autre tour. Moi. Ah non. Ah oui, ça vient derrière. Oh merde, je sais pas comment on touche. Ah bah ça y est, j'ai trouvé. Oh. J'ai plus de vie, mec. Bah j'en ai tué 2, mais oui, c'est. T'es trop au taquet, mec. T'es trop au taquet. Et le troisième, il squatte là-bas, là. Ouais, je vais mourir, c'était sûr. Il a plus beaucoup de vie par contre, hein. J'ai mis 3 balles. Là, il s'en est pris 2 autres. Normalement encore une, je crois que c'est 6 avec le 5-5-6 pour tuer un ennemi. D'accord, ouais mais là il est parti du coup. Ah oui, puis y a pas de hitshot aussi dans le jeu. C'est pas besoin de viser la tête, ça va pas faire... Ouais, ça va pas faire un headshot quoi, c'est clair. J'ai plus de vie donc je suis un peu à couvert plutôt, pas à découvert. T'es où, là je reviens. Putain, on le monde, c'est y a un mec qui va t'arriver dans le dos bientôt. Il vient en voiture avec une petite sportive. Ouais, je le vois. Et moi je suis caché un petit peu, je surveille le point, si bon, on pourra aller sur. Oh là là, j'ai fait 2 kills. GG. Oh, j'étais en train de recharger le team AU avec son vieux machin. Ah, t'as réussi à changer d'arme? Non. Ah non. Ils ont changé. Ah ben non, c'est l'image du sein. Ouais, j'ai pas l'habitude en fait qu'on ait des armes comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que là on a vraiment des armes de noob en fait, hein? C'est l'arme de départ. Ouais, qu'on te donne au début, ouais. Et enfin, elle est bien, mais. Oui, elle est pas mal, mais il y a beaucoup mieux. Ça, c'est clair et net. Écoute, j'arrive, mec. Je sais pas s'ils sont en train de faire le garder ou pas, là, du coup. Non, je. Je le surveille, oui. Il y a un sniper qui arrive, mais du coup, il va mourir dès qu'il va commencer à garder. Ah non, moi, j'ai pas accès dessus. Fais gaffe. Ça, ça allait trop vite. Ah merde, enfoiré. En plus, ils sont 2. J'arrive par derrière, je vais essayer de. Ils sont morts. Ah bah il y a un troisième qui m'a snipé. Fais gaffe, il est de l'autre côté du pont, derrière lui. Derrière sur le monsieur sur qui tu tires. Oh bah d'accord, il m'a défoncé. Il a avancé avec son snipe. C'est pas juste. T'es en caisse là, mec? Oui. Attends, du coup je vais spawn devant toi dans 2 secondes. Ok. Voilà, je viens de spawn. Oh, y'a une caisse de suicidaire, ça joue. Oh, fais gaffe, y'a un méchant là-bas. Bah, tiens, rentre dans la voiture si tu peux. Oh, cool. La caisse de Starsky et Hutch. C'est parti.
On va attendre là-haut à la Ouais, rigueur. c'est Et ce il que faudra j'allais juste faire dire. attention au mec qui était au bout. Je pense qu'il va sûrement venir ici. Oui. Ah non, on n'a pas de vue. Ouais, bah, fais gaffe, ça Tu veux arrive là. remonter en voiture? Non, 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 je vais descendre là. Ils sont en dessous du pont. Wow, je crois qu'il y a un snipe. Ouais, y a deux snipers même. Ok, il y en a un qui est dead. Ah, elle est pas dégueu cette arme. Ah, ils l'ont pris. Hein? Ah, Ouais, je t'ai dit, je on l'ai pas n'avait vu pas de passer. visuel sur le point. Ah, tiens, remonte en voiture. C'est bon. Oh merde. Ah, c'est vrai qu'il y a une grosse arme aussi. Salope. Le mec de type énervé, tu sais. Il y en a un sur le toit avec sa caisse, il est coincé. Il vient de Ouais, y en a un qui descendre. me tire dessus aussi. Y'a un mec derrière Oh toi. putain, il a 3 points de vie. Je Bah, suis dégoûté. je vous défends, moi. Vas-y, vas-y. Ah, il sert à rien, ça va, l'autre avec son snipe, du coup, il est pas très très puissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Takedown? Oui, c'est un nouveau mode qu'ils ont mis. C'est quand t'es pas en mission, en fait, t'as des espèces de mini-jeux. Et là, le mec, il D'accord. a un gros lance-grenade Tiens, pousse-moi, monsieur. Ah merde, illimité et. dommage. Faut essayer Illimité. de le tuer. Ouais, Oh la faut vache. essayer de le tuer. D'accord. Oh bah merde, ils sont sur l'objectif. Ouais, ils l'ont fini. De toute façon, c'est ces objectifs faciles qu'ils ont, les flics. Ils ont juste à cliquer dessus GG, et mec. voilà. Ah, je me suis fait écraser. Oh merde, bah pas GG alors. Hop là, toi, je te brain. Oh putain! Oh! Et l'autre, elle a un stabat automatique. Donc là, en fait, je suis en train de me faire arrêter, ce qui fait que je vais être obligé de rester comme ça jusqu'à la fin du timer et de respawn. Donc ça fait perdre énormément de À moins que temps. t'aies quelqu'un qui vienne t'aider, Ouais, voilà, qui vient de qui me peut te sauver. libérer. Mais là, ils sont tous en train de me... Voilà, puis lui, il me finit, du coup, est-ce qu'il a rien compris au jeu? Oui, au final, ça lui Pardon. fait perdre des points. Ah ouais? Ouais, s'il tue quelqu'un d'arrêté, déjà ça lui valide pas le kill. Enfin, tu sais, on peut débloquer les armes avec les rangs, mais Oui. ça c'est pareil, on l'expliquera aussi plus tard. Mais Ouais. du coup, oui, ça lui compte pas pour son XP D'accord. de famille Pardon. d'armes. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Et il est avec nous, argent. Ah, mais on est toujours que deux. Ouais, Ah, on mais est oui, toujours mais que c'est deux. vrai. Bon, attends, je vais appeler des renforts quand Ouais, appelle les même. renforts. Ce monde, c'est vrai que du coup, ils sont 4, mais ils sont pas très bons, mais quand même, quoi. Juste, ils sont en surnombre par rapport à nous, quoi. Hop là, au revoir mesdames. Tu tires sur qui là? Oh, j'avais C'est pas un vu. monsieur qui est caché. Ah oui, alors le pick-up, voilà, donc là on est. Ah non, c'est pas la dernière. Ah, y a pas de voiture. T'es rentré dans ma voiture, toi? Ah Non. non, t'es avec moi Je derrière. suis derrière toi, ouais. Qui c'est qui a le pick-up? C'est pas nous? Ah Non, si? c'est eux. Récupérer, c'est quoi? Oh, je me fais tirer dessus, derrière nous, derrière nous. Ah, j'essaie de tuer le pick-up, moi d'abord. Ben, viens rentrer dans la caisse si tu peux. On va tirer sur le mec qui essaye de se barrer avec le pick-up. Ah, il est en train de à la grenade. Ok. Je charge le machin si t'arrives à me couvrir. Ok. Vas-y, go, go. On se fait tirer dessus. Oh putain, je l'ai tué. Oh merde. Désolé monsieur, c'est pour la bonne cause. On fait que des frags amis depuis tout à l'heure. Merde. Non, c'est mon premier, moi. Ouais. Donc là, en fait, on a récupéré un objet qu'on doit aller mettre en team base pour gagner des points. Ah. Ah tiens, il me fallait plus vite, merci. Il y a une voiture en feu, tu peux tirer dessus quand il est à côté. Ah bah ça l'a Il fait est bien descendu. galérer. Ouais, il est descendu. Ouais. Alors il va sûrement rentrer au fond, ouais, si t'arrives à. Oh, je peux pas sauter, faut que je fasse le tour. Oh, j'ai Je entendu une déteste porte, ces je crois. missions avec les bidons, Oui, c'est il est en haut. horrible.
Il est mort. Essaye au moins de le poser pour... Ah ben GG. Voilà. GG mec. Bah du coup faut couvrir notre... notre truc. C'est ça. Notre item. Sucker Noob, il y en a un qui m'a envoyé. Oui, les gens ragent beaucoup sur ce jeu. Oui. Alors pareil... Hop. Enfin si vous essayez le jeu, faut être calme, faut pas trop s'énerver. Oh oui faut non, accepter faut pas rager mourir, parce que là... c'est impossible d'être invincible dans ce jeu là, t'auras beau... Même de toute façon les cheaters... galère. Oui, même les cheaters, on peut les tuer sans, enfin, ils crèvent, pas sans souci, mais ils crèvent. Quoi. C'est pas un vrai FPS, donc du coup, même avec un aimbot et tout ce que tu veux, il peut pas tuer de toute façon tout le monde. Tu peux te cacher facilement. Enfin, ce jeu est quand même vachement, vachement stylé. Ah, il y en a un là, un snipe en haut. Je le vois. Il m'a mis une balle de snipe. Ah, il m'a mis la deuxième, cet enculé. Hey, yo, get out of here. Donc le petit son que vous entendez, c'est qu'en fait le mec a mis un petit son sur sa. En fait, à chaque fois que je tue quelqu'un, la personne en question qui est morte entend le son. Voilà, donc nous on aura ça aussi plus tard. Quand on sera des PGM, bien sûr. Donc là, ils vont récupérer notre item, je suppose. T'es mort, c'est ça? Non, je suis. Non, t'es pas mort. Je survis. J'arrive, mec, hein, je suis pas très loin. Je suis à 70 mètres. Je sais pas trop par où. Ah, je vais sûrement mourir là maintenant. Tu t'es pris une balle de snipe? Plus une grenade, enfin une grenade et la balle de snipe elle arrive, à mon avis. Attention, il y en a un qui arrive. Ah, oh, je vois tout noir. Oh là là, je viens de sauter de très haut. Oh, oh c'est bon, je l'ai. Oh, j'ai. Ah, il y a un mec sur le pont. Ouais. Et à la porte d'entrée, il y en a un. Ok. Je le vois, ouais. Je vais le laisser passer. Je crois qu'il t'a vu aussi. Ah oui. Alors meurs. Meurs. Oh putain, GG. Mais toi, tu vas passer gold. Gold de tout ce que tu veux, toi. Le salaud. Pourquoi il me dit sucker noob? Tout ça parce que je l'ai tué. Parce que tu l'as tué et puis que t'as un vieux Tekken grade et que le mec il comprend pas quoi. Il est venu, il s'est dit c'est bon, j'ai le déchiré. Et c'est ben, clair, non, c'est des petits noobs. C'est toi qui l'as déchiré. C'est clair. Ah là là. Ah, il est où? J'entends que ça tire là, mais je vois pas où. En fait. Bah, je suis dans mon. Oui, j'ai vu, ouais. Ah, bah, ils sont là-bas, ils tirent dehors en fait. D'accord. Bon, bah, ah, y'en a un là, un sniper. Ah non, c'est pas. Oui, oui. Oh, oui, oui, oui. Je vois un peu noir. Oh, GG. Oh. Putain, je l'ai pas touché une seule fois, quoi, mec. Le gros noob. Après peut-être tu l'as pas touché, y a pas l'assise de marque. Enfin, si trois personnes tirent dessus, y aura que le tueur plus une assise de marque. Hein. D'accord. Après t'as peut-être quand même touché. Oui, y a quelqu'un sur la porte du haut. Ah ouais, je me suis fait grenader sniper. C'est très mal. Ouais, bah il est mort, il s'est fait contourner comme une merde. GG à toi. Voilà, toi tu meurs aussi, parce que l'OBA c'est complètement cheaté comme gun. Bon, on a gagné. Hein, ouais, on ça a gagné. Nickel. Eh bien, GG. GG. Bah, ça y est, je suis gold. T'es sérieux? Et toi, t'es silver, oui. Et moi, je suis silver, hein, non, mais c'est de blague, quoi. N'importe quoi. Ok, je suis level 6 avec, avec l'autre, là. Ça monte vraiment très très vite. Tu es où mon petit copain? T'es là-bas. Ben écoute, moi je gagne beaucoup de véhicules. Hein. Je crois que j'ai choisi celle qui me fait débloquer des véhicules. Oui, de toute façon, il n'y avait pas d'armes. J'espère que la prochaine me redonnera des armes. Donc ce petit rond que vous voyez en fait, c'est que ça me redonne des munitions quand je suis quand je suis arrêté juste ici. Voilà, tout simplement. Bah écoute mon ami, ça fait un petit peu plus d'une demi-heure qu'on filme, donc je te propose d'arrêter là. Ok. Et puis de continuer un peu plus tard. Donc bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi mon petit Citral de faire ça avec moi, c'est sympa. Ouais, merci, merci à vous et puis merci à toi aussi. Mais merci. Puis bah je vous dis à très très vite les amis pour de nouvelles aventures sur APB. Ciao ciao. Ciao ciao.